Oui, bon, mais tu es déjà avec moi. On est ensemble. Ok, tu te bouges. Tu touches rien, là, s'il te plaît. Tu touches à rien. Ah, vous me dérangez. Un côté, c'est Mino. Un côté, c'est toi. Jemima, je suis en direct, s'il te plaît. Papa est en direct, ok? Papa travaille. Jemima, oh, s'il vous plaît, arrêtez. Papa est en direct, je suis en direct, bébé. Mimi, je ne te dérange pas. Non, mais c'est toi qui me dérange. Est-ce que tu vas toujours me déranger? Non. Tu veux me déranger? Non. Est-ce que tu veux être vilaine? Papa, papa, monter aussi comme nous. Jemima, en fait, je ne suis pas en train de jouer. Papa est en direct, ok? Oui. T'as vu? Je vais aussi faire le direct avec toi. Non. Le direct? Tu es encore trop petite pour faire le direct. Tu comprends? Pourquoi, Melo, tu as la fleur là? La fleur? Je ne sais pas, bébé. Peut-être parce qu'elle t'a vu. Elle m'a vu déjà. Elle t'a vu. Et quand Minou te voit, elle dérange. Ah, demandez qu'on m'apporte les écouteurs. Papa, maintenant, on va dire direct. Non, il faut aller rester avec Mariam. Et je finis le direct, je viens. Non. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Après, tu veux t'assister la direct. Oui, ok, d'accord, s'il te plaît, tout à l'heure, ok? Bye. Non. Je t'aime, mon amour. Non, la vie, dit, bébé, il y a le temps. Non, descends. Descends. J'appelle ma mamie. J'appelle ma mamie ou j'appelle son. Oh, quitte la laisse. Maman, laisse le déco. Oh. Ah, venez me prendre Jemima et le chat, là. Ils me sont déjà en scandale. Rapidement. Non. Bienvenue, connectez-vous massivement, s'il vous plaît. Je suis en train. J'ai le temps de finir la guerre si c'est la gêne. Papa, papa. Non, Jemima, descends, s'il te plaît. Non, non, non. Tu vas descendre. Ah, ah. S'il te plaît. Écoute, je ne suis pas en train de jouer, c'est sérieux. Je dois sauver des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui. Je dois prêcher l'évangile. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui veulent écouter papa parler du Seigneur Jésus. D'accord? Oui. Ok. Yeah. On va jouer là-bas, va jouer sur le toboggan. Papa, papa. Descends, Jemima. Il y a le caca là-bas. Va. Caca là-bas, papa. Oui, ça va. Ne viens plus, ça va. Appelez-moi quand on vient chercher Jemima. Arrête. 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 Appelle Minou, allez. Allez. Que le Seigneur te bénisse. Tu veux que je me fâche? Non, non, attends. Est-ce que tu veux que je me fâche? Tu veux que je me fâche? Hein? Tu veux que je me fâche? Voilà. Hein? Voilà. Descends, descends. Allô? Va. Va à la maison. Tu n'es pas du tout gentil. Non, non, tu n'es pas gentil. Tu es vilaine. Va, va. Va jouer au toboggan. S'il te plaît, connecte-toi et surtout partage la vidéo. Partage la vidéo. Et invite beaucoup de personnes à. Invite beaucoup de personnes à se connecter ce matin. On va aller très vite ce matin. On va aller très très vite. Arrête. Excusez-moi pas. Viens. J'ai demandé les écouteurs, c'est où? Allez ensemble. Voilà, que le Seigneur te bénisse dans le nom souverain de Jésus. Bonne arrivée. Bonne arrivée dans cet espace. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous vous accueillons, nous vous bénissons dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth.
Attends, attends, on vient te porter. Sous moi arrive, ok? Que Dieu te bénisse. Père, nous te bénissons. Merci pour cette occasion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, non, non. Jemima, je vais me fâcher. Je vais te mettre caillou. Ok? Si t'es vilain, je te mets plus caillou. Je te mets plus ladybug. C'est fini. Je t'attends au carrefour. Vraiment désolé pour la perturbation. Hein. C'est la guerre ici. Quitte à côté de quitte de là. Il y a le courant. Quitte! Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que ta présence soit avec nous. Saint-Esprit, prends contrôle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc, bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. Oh, dis ça. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Ça, ce n'est plus simple, ça. Descends. Va, va là-bas. Seigneur, merci pour ta grâce. Rapidement. La gloire revient à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous le bénissons pour cela. Prends Jemima. Prends-la. Va avec elle. Non, ferme. Ferme-moi ça. Ferme. Prends-la. Allez. Maman. Voilà. Là, c'est terrible, hein? Bienvenue, partage la vidéo s'il te plaît. Aujourd'hui, je ne veux pas mettre long parce que j'ai des choses à faire. Que le Seigneur te bénisse. Heureux ceux qui sont connectés ce matin. La main de Dieu est sur vous dans le nom prêché souverain de Jésus-Christ. Vous voyez, je voudrais partager rapidement sur une ou deux choses avec toi et on va prier. Et après cela, je vais me libérer parce que j'ai de lourdes responsabilités à tenir ce matin. Il faut déjà rappeler que les numéros par lesquels vous pouvez me joindre personnellement, c'est le 692 40 71 86. 692 40 71 86. Là, c'est le numéro WhatsApp, pour ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp. Et c'est aussi le numéro Orange Money, pour ceux qui veulent souscrire pour soutenir le ministère et surtout les finitions de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Vous savez que nous avons lancé une grande opération de carrelage de l'Église. On va mettre les carreaux, on va mettre les marbres par endroit. Donc, ce sera un peu décoratif dans tous les cas. Tu veux mettre Dieu à l'épreuve, comme il est écrit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, tu peux souscrire. Un mètre carré, c'est 20 000 francs. Tu peux dire, ok, moi, je prends un mètre carré, je prends 10 mètres carrés, je prends 1000 mètres carrés. Ou bien même, tu prophètes, ok, moi, je vais sponsoriser la mise de carreaux dans toute la salle. Et Dieu te bénira. Voilà. Donc, le numéro 692 40 71 86, c'est le numéro WhatsApp aussi. Quand vous faites votre transfert, vous m'écrivez là. Donc, ne communiquez pas et ne parlez pas offrande sur Messenger ou sur Facebook. Non, non. Il faut éviter ça absolument. Vous avez mon numéro WhatsApp et j'ai dit ne m'appelez pas. Si vous m'appelez, vous pouvez perturber mon programme. Vous voyez, je suis constamment en train de prier, de méditer ou en train de faire des recherches. En ce qui concerne le domaine de la Bible, donc, je m'attends à votre bonne compréhension. Donc, s'il vous plaît, n'appelez pas. Il y a des gens qui appellent avec insistance et vous remarquerez qu'après, vous n'arriverez même plus à me joindre parce que je vais bloquer et signaler votre numéro. La vie, c'est la discipline aussi. Donc, écrivez-moi, laissez des messages et je vous répondrai en temps opportun. Et soyez patient parce qu'il y a des milliers de messages auxquels il faut répondre. Le numéro Momo, pour ceux qui veulent faire des transferts Orange, des transferts MTN, vous avez le 672 13 03 23. 672 13 03 23. Donc vous pouvez faire votre transfert Momo par ce numéro-là, par la grâce de Dieu. Et vous me faites un message, je lirai votre message. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est l'opération carrelage de la maison de l'Éternel. Vous savez, j'ai essayé de parler sur les actes de justice hier à l'église. Les actes de justice, il faut couvrir. Les actes de justice, parce que là, il faut m'en aller avec, c'est inutile là maintenant. Les actes de justice, je vous ai expliqué qu'au jour de la détresse, au jour de la détresse, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. C'est Psaume 50, verset 15.
Il dit, invoque mon jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et si vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, au jour de la détresse, n'ont pas de secours. Et si vous savez pourquoi en général, beaucoup d'hommes, au jour de la détresse, n'ont pas de secours. Parce que leur compte bancaire céleste est vide. Parce qu'ils sont pauvres en actes de justice, vous voyez. Donc les actions de justice sont des actes que vous posez. Et ces actes-là vont vous secourir au jour du malheur. Et peuvent aussi délivrer vos enfants et les couvrir pendant des décennies, pendant des centaines d'années ou bien pendant même des millénaires. Lorsque vous regardez par exemple Abraham, Abraham a marché avec Dieu fidèlement. Vous voyez, il a marché avec fidélité devant Dieu, intégrité. La Bible dit que Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez. Donc Abraham va bâtir des autels à Dieu. Il bâtit des autels. Il multiplie des actes de justice. Vous vous souvenez, lorsque l'Éternel passe pour aller à Sodome et Gomorrhe pour la destruction de ces deux villes pécheresses, il y a Abraham qui est assis et il voit trois hommes passer et il les supplie, se met face contre terre, il se procède devant eux, face contre terre. C'est des inconnus. Malgré sa grande richesse, malgré sa notoriété, malgré la célébrité dont il jouissait dans sa génération, il se procède devant des inconnus. Ça montrait le caractère d'humilité et l'amour de partager avec autrui la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham. Donc c'était un homme très humble, un homme très juste qui aimait les gens et qui pouvait même accueillir des inconnus dans sa maison. Vous voyez, aujourd'hui c'est compliqué de le faire comme ça. Donc il a multiplié ses actes de justice dans le service de Dieu, dans le service vrai de Dieu. Parce qu'on ne vous mente pas. Le service de Dieu, ce n'est pas les paroles. Si, pour ceux qui suivent les programmes du soir, à partir de 17h, je vous exhorte à vous connecter très massivement. C'est des enseignements qui vont changer votre vie. Ne pensez pas que le matin, comme il y a le direct, on fait le lavant de la face et c'est tout. Non, le soir, il y a des trésors encore plus grands que ceux que nous partageons le matin avec vous. Donc, connectez-vous à partir de 17h pour suivre les cultes en direct, pour recevoir la bénédiction de Dieu et surtout les secrets. La connaissance de la parole de Dieu qui vous permettra de remporter la victoire dans le domaine difficile de votre vie. Donc ces actes de justice ont fait en sorte que Isaac a vécu et a été sauvé à cause de cela. Même son fils Ismaël a été béni. Il est devenu un prince et il a donné 12 princes, il a donné naissance à 12 princes à cause de la justice d'Abraham. Aujourd'hui encore, nous sommes sauvés, nous sommes bénis à cause de la bénédiction d'Abraham, à cause des actes de justice qu'Abraham a posés. Vous voyez. La Bible dit par exemple que le roi David, lorsqu'il a voulu bâtir une maison à l'Éternel, Dieu lui a dit non, tes mains sont souillées de sang. Mais juste parce que tu as eu l'intention de me bâtir une maison, moi, je te bâtirai une maison stable en Israël. Il a eu l'intention, il n'a même pas posé l'acte. Donc on peut dire quoi? Il avait tout rassemblé pour bâtir la maison de Dieu. Donc adorer Dieu, c'est pas seulement dire je t'aime. Dieu lui-même va se plaindre par la bouche du prophète Esaïe. Quand vous lisez Esaïe chapitre 29, verset 15 au verset 17. Il dit quoi? Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? Donc, dire à Dieu, je t'aime, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est poser des actes de justice vis-à-vis de Dieu, à l'endroit de Dieu, à l'endroit de l'œuvre de Dieu, à l'endroit des serviteurs de Dieu, à l'endroit de la maison de l'Éternel, votre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit que tous ceux qui vont contribuer à bâtir sa maison en souscrivant pour les carreaux seront bénis. Il y aura un retour du ciel dans ta vie, dans un domaine où tu attends le secours de Dieu. Et j'ai dit que dans le jour du malheur, parfois tu n'as même plus la force de prier. Mais ce sont tes actes de justice qui vont te sauver. C'est tes actes de justice qui vont apporter la délivrance et le miracle va s'opérer. Et où on pensait que tu vas mourir, tu reviens à la vie. Donc les actes de justice, c'est important. Lorsque tu sèmes dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme, d'une femme, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de Dieu ou dans la vie des serviteurs de Dieu, tu fais du bien à toi-même. C'est des trésors que tu t'amasses pour le jour de la détresse, c'est des trésors que tu amasses pour tes enfants après toi. C'est ça qu'Israël est béni aujourd'hui à cause d'Abraham. Je parle d'Israël comme la nation d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Elle est bénie à cause d'Abraham. Pourquoi? Ses actes de justice étaient tellement forts que ces actes-là gardent Israël et ils sont en train de manger dans le compte bancaire d'Abraham devant Dieu jusqu'à aujourd'hui encore. Donc je vous exhorte à multiplier les actes de justice, surtout lorsque Dieu t'a béni. Quand tu as quand même un peu de moyens qui peut t'aider à pouvoir marquer le cœur de Dieu, fais-le. Tu souscris immédiatement. Tu envoies ton Orange Money au 692-40-71-86. Ou bien tu envoies par Momo, par MTN au 672-13-03-23. 672-13-03-23 ou au 692-40-71-86. Maintenant,
Il y a tellement d'arnaqueurs dehors. Nous avons, c'est-à-dire en dehors de mes numéros, vous avez d'autres numéros par lesquels vous pouvez envoyer. Si par exemple, à mon numéro, on disait que cela ne passait plus, il y a Maman Eugénie Emongue Sopo. Vous pouvez envoyer en son nom, Maman Eugénie Emongue Sopo. Voilà, vous envoyez en son nom. Laissez-moi regarder un peu son numéro. S'il vous plaît, demandez à Mireille de m'apporter son numéro Momo. Donc, c'est le 699 96 37 14. 699 96 37 14. Je reprends encore 699 96 37 14. Donc, vous m'envoyez, c'est Maman Eugénie Emongue Sopo. Quand je dis comme ça, les gens vont aller me sortir des noms que moi-même, je n'ai jamais entendus depuis ma nourrice, Jean Lasouris. Je fais le transfert à Monsieur Jean Lasouris. Non, je vous donne des noms officiels. Si vous voulez faire votre transfert, heureusement, je maîtrise déjà un peu Orange Money. Tu veux faire Orange Money? Le nom qui apparaît, ce n'est pas Maman Eugénie Emongue Sopo, épouse Mokoko Poli. Fais attention, n'envoie pas ton argent. Ça veut dire que tu es tombé sur des arnaqueurs. Ou bien si le nom, ce n'est pas Mireille Rose Mousseni Otam. Maman Mireille Rose Mousseni Otam. Mireille Rose Mousseni Otam. Si ce n'est pas ces deux noms, en dehors de mon nom, voilà les deux personnes avec qui vous pouvez envoyer votre transfert pour souscrire au carreau. Alors, ce matin, toi, tu souscris à combien de mètres carrés? 1 mètre carré, c'est 20 000 francs. Tu veux prendre 10 mètres carrés, c'est 200 000 francs. 1000 mètres carrés, ça va de combien? 2 millions. Je pense que c'est 2 millions. Hein? 1000 mètres carrés, ou c'est plus. Ok, d'accord, ça va. Donc, c'est 20 000 francs, 20 000. 1000 mètres carrés, c'est cher, hein. Mais si tu peux, tu le fais. Tu le fais, il n'y a pas de problème. Tu le fais, tout simplement. Et la main de l'Éternel est avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je pense que 1000 mètres carrés, c'est 20 millions. Ok, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous voulons parler, nous sommes en train de briser les malédictions de la terre. Nous avons l'injonction prophétique avec le lavement de la face. Ne jouez pas avec frère, ne jouez pas avec le lavement de la face. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu mal affermis et surtout mal intentionnés qui s'attaquent à nous, à l'œuvre que nous sommes en train de faire dans le monde entier, ignorant tout le témoignage que le Saint-Esprit donne aux familles entières, dans le monde entier, des délivrances en direct. Disant non, nous faisons des services d'eau, non, on utilise les mouchoirs, vraiment, tout ça là, on utilise l'huile, et donc ça fait que tout ça, ce n'est pas biblique. Je me demande de quelle Bible il s'agit. Comprenez, les gens doivent s'éduquer. Quand nous parlons devant les gens, nous parlons avec maturité, nous parlons avec assurance. Parce que nous savons que le fondement de nos œuvres se trouve dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons un peu lire un passage rapidement. J'ai dit que je ne veux pas aller jusqu'à 1h30 de temps parce que j'ai des choses à faire. Donc on va prier, on va se laver les faces et puis Dieu va se manifester. La Bible dit, par exemple, dans Actes chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres, par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc, voici ce que la Bible dit. La Bible explique qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait ce qu'on appelait le service des linges oints ou le service des mouchoirs oints. Quand un homme de Dieu se lève aujourd'hui pour dire non, on utilise les mouchoirs et donc ce n'est pas biblique, vraiment je me demande dans quel monde il sort, de quel univers il appartient. Tout ça montre tout simplement le manque d'éducation biblique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps pour étudier, sonder les Écritures comme Jésus avait dit. On vient en public et puis on parle des anéries, des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Donc, à l'époque des apôtres déjà, dans l'assemblée que dirigeait l'apôtre Paul, les églises où Paul passait, il y avait ce qu'on appelait le service des mouchoirs oints ou des linges oints. Les gens avaient remarqué que lorsqu'un vêtement touchait Paul, l'onction de Paul était transférée dans ce vêtement. C'est ce que j'appelle la loi du Hodekomenon. Jésus dit Hodekomenon propheten eis onoma prophetou, miston prophetou lemsetai. Si quelqu'un reçoit un prophète parce qu'il croit, parce qu'il discerne le manteau de prophète dans cet homme, alors l'héritage prophétique que porte cet homme viendra sur cette personne-là. Donc, les gens avaient discerné que Paul portait en lui l'héritage des prophètes, une grande onction de délivrance et de guérison. Et que lorsque quelque chose touchait l'apôtre Paul,
cette chose-là était contaminée par l'onction de Paul. Et c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Vous vous souvenez de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Donc, je pense que c'était peut-être un cancer de l'utérus, etc. Donc, elle va discerner, les gens touchent Jésus. Les gens pressent Jésus. Ce n'est pas toucher Jésus qui va te donner le miracle. Non, ce n'est pas ça. C'est la manière dont tu touches. La manière dont tu t'approches. L'esprit qui t'anime lorsque tu touches. La foi qui t'anime lorsque tu touches. Elle va dire, je n'ai pas besoin de le prêcher comme le peuple, comme la foule est en train de le prêcher. Si je touche seulement le rebord de son vêtement, je serai guéri. Sa mentalité, sa foi, elle définit à quel moment, dans quelle dimension son miracle va se passer. Elle dit, je ne touche pas son corps, je touche son vêtement, je reçois mon miracle. Elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie d'un cancer de 12 ans, d'une maladie qu'elle avait traînée pendant 12 ans. Mais il y avait d'autres malades qui embrassaient, mais Jésus, rien ne se passait. Parce qu'il n'avait pas discerné l'onction que portait Jésus. Il n'avait pas discerné le manteau de Jésus. Mais cette femme a discerné le manteau de Jésus-Christ. Donc, quand Dieu parle à travers ses serviteurs, quand je viens me tenir devant vous, et j'ai dit que la parole de l'Éternel m'a été révélée, et le Seigneur m'a dit, ceux qui vont soutenir sa maison, ceux qui vont participer de près comme de loin à bâtir sa maison, ceux qui vont souscrire à mettre les carreaux dans sa maison, aujourd'hui c'est les carreaux. Demain, ça pourra être autre chose. C'est une opportunité. Tu as un problème. C'est l'occasion pour toi de dire à Dieu, ok, Seigneur, tu sais que le célibat est en train de me cogner fort. Le célibat me fait ça dur. Alors, je vais souscrire. Je prends 100 mètres carrés. Je prends 1 mètre carré. Je prends 10 mètres carrés. Je prends 1000 mètres carrés. Ou bien je prends le tout. Et je suis en train de bâtir par là un hôtel avec toi. Seigneur, que ta grâce dans la vie de ton serviteur touche ma vie. Que ma perte de sang s'arrête. Tu vois, tu t'approches avec cette mentalité. C'est toi qui détermine ta délivrance par la foi. Si tu le fais de tout ton cœur, pas par formalité, pas par imitation, mais par conviction profonde, que la parole que j'ai donnée est de Dieu. Que si tu obéis, tu seras sauvé. Que si tu obéis, Dieu te visitera. Lorsque tu le fais avec conviction, je te dis la vérité. J'ai sur WhatsApp des messages, des témoignages comme ça, des gens qui disent qu'ils ont souscrit, immédiatement Dieu les a bénis. En Europe, des sociétés les ont appelés. C'est comme si ces derniers temps-ci, Dieu est en train de bénir nos enfants en Europe. Je vous dis, c'est comme si Dieu est en train d'apporter un réveil terrible dans la vie de nos enfants en Europe. Des miracles puissants, des délivrances à la maison. Dieu est en train de briser les chaînes de la servitude à la sorcellerie qui les avait encadenassés quand ils étaient en Afrique et qui les a encore accompagnés là-bas. Des gens sont en train d'expérimenter la puissance de Dieu. J'ai des messages. C'est que je n'ai pas assez de temps. Je vous dis la vérité. Ma vie est compliquée. Mon programme est compliqué. Dès que je sors d'ici là, c'est la course. Je n'ai pas de temps. S'il y a quelque chose qui me manque, c'est le temps justement. Sinon, je me serais assis, je me serais organisé pour répertorier tous ces messages, ces témoignages pour vous montrer. Il y a des témoignages comme ça. Depuis que nous avons commencé le service de lavement des pieds et puis de la face, les gens témoignent. Et quand on a encore ouvert la ligne pour contribuer à envoyer l'argent, la main de Dieu est en train de faire des choses encore plus puissantes aujourd'hui. Et il faut dire que pour tous nos enfants qui sont en Europe, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont loin en Europe, j'ai un compte PayPal. Vous pouvez nous envoyer l'argent par PayPal. On a un compte PayPal. Laissez-moi vérifier un peu s'il vous plaît. Il y a un compte PayPal désormais. Il y a un compte PayPal. Laissez-moi, je vous reviens un instant. Je vais vérifier dans l'autre WhatsApp ici. Très bien. Que Dieu te bénisse. Donc, il y a PayPal. Vous pouvez envoyer votre contribution par PayPal. Tous nos enfants qui sont en Europe, vous pouvez envoyer les contributions par PayPal. Donc, vous envoyez par... vous envoyez au nom, à l'email, adresse email, prophète-ekane94@gmail.com. Prophète Ekane, tout en minuscule. Prophète Ekane, ça dit PROPHETEKANE. Prophète Ekane. Donc vous écrivez prophète sans E à la fin, et puis Ekane, en un seul mot. Prophète Ekane, 94. @gmail.com. Voilà. Donc, voilà où vous envoyez votre contribution PayPal par ce numéro.
par cette adresse email. Et le numéro, pour vous rassurer, c'est le 01 71 88 80. Là, j'ai mal pris. Hein. Donc, le nom, c'est Ekane et le prénom, c'est Ferdinand. Le nom, c'est Ekane. Le prénom, c'est Ferdinand. Le numéro est le suivant. 01 71 83 80 39 7. 01 71 83 80 39 7. Je vais afficher ça tout à l'heure directement. Donc, que le Seigneur te bénisse. Tu peux envoyer ta contribution par PayPal. Tu veux soutenir le ministère, tu le fais par PayPal et la main de l'Éternel est dans ta vie et la puissance de Dieu est sur toi dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est des opportunités pour multiplier des actes de justice devant le Seigneur. Donc, la Bible dit que ses frères et sœurs multipliaient des mouchoirs. Les gens utilisaient des mouchoirs pour apporter la délivrance et la guérison dans leur vie. Donc, ces mouchoirs-là étaient un peu comme des récipients dans lesquels ils puisaient l'onction qui était dans la vie de l'apôtre Paul et ils amenaient ça, etc. Ils étaient guéris. C'est la même chose avec le service d'eau ointe que nous appliquons aujourd'hui. À chaque fois que nous travaillons avec l'eau, tu peux envoyer cette eau à un ami, à ta famille, aux membres de ta famille, pour leur apporter aussi la délivrance, eux aussi qu'ils fassent le service de lavement de la face et la gloire de Dieu et la puissance de Dieu se manifeste pour que tu ne profites pas tout seul. Je vous dis la vérité, chaque maison où il y a l'eau ointe sera témoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Chaque maison, chaque personne qui est en contact avec cette eau, à partir du moment où le nom de Dieu y est invoqué, quand nous prions au nom de Jésus-Christ dans cette eau, la gloire de Dieu se révèle, la puissance de Dieu se manifeste. Donc cette eau, ce n'est pas à jouer, c'est quelque chose de sacré. À partir du moment où on a prié sur ça, ce n'est plus une eau profane, mais c'est une eau sacrée. L'onction que je porte est dans cette eau. Et tout peut arriver dans ta vie. Ça veut dire que tes ennemis sont dans les problèmes. Lorsque tu pries, tu utilises cette eau dans la foi au nom de Jésus-Christ, tu verras ce qui va se passer. La Bible dit que les frères, à cette époque-là, utilisaient ces mouchoirs. On parle de l'église primitive à l'époque de l'apôtre Paul. Les gens utilisaient les mouchoirs oint, les linges oint. Et ils allaient dans leur famille. Toi, tu gardais ça pour toi. La Bible dit qu'ils appliquaient ça sur leurs malades. Attends, je lis encore, tu comprends bien. Ils appliquaient ça sur leurs malades. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les gens chassaient les démons, détruisaient les œuvres de la sorcellerie. Ce n'était pas Paul, hein? C'était les mouchoirs. Voilà, voici quelqu'un qui a écrit ça ici. Merci, Choupi, Choupi. Que Dieu vous bénisse. Prophète ekane94@gmail.com. Ça, c'est mon adresse PayPal. C'est le compte PayPal. Donc, le numéro de téléphone est là. Le 01 71 83 80 397. Vous appelez ce numéro. Voilà. Donc, tu peux faire ton transfert PayPal immédiatement, comme je suis en train de parler, et tu te connectes à ce manteau pour bâtir la maison de l'Éternel. J'ai dit une chose. Vous regardez, frère. Les gens chassaient les démons avec les mouchoirs qui ont touché Paul. Tu vas chasser les démons dans ta vie, avec l'eau aussi. Parce que j'ai prié dessus. Donc, quand je prie, tu mets ta part devant l'écran, c'est un point de contact. Notre Dieu n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Donc, quand le faisons, tu as la foi, je te dis la vérité. La main de Dieu touche ton eau et des choses extraordinaires se passent. Vous avez vu, on a des témoignages qui sont venus de tous les pays. Au Togo, au Ghana, des gens qui ont sorti des choses. Il y a des mamans à l'église, une maman dimanche passé, un verre de terre vivant est sorti d'elle après le service de lavement de la face. Laver sa face veut dire que je me sépare de tout ce qui est mauvais, toute malédiction de la terre. Venant de la maison de mon père, de la maison de ma mère, je m'en sépare. Tout ce qu'on avait mis sur moi, les conséquences de ces malédictions libèrent ma vie. Tu le fais avec foi. Ce n'est pas une formalité. Tu le fais avec foi. Et la gloire de Dieu et la main puissante de Dieu se posent sur toi et tu reçois ton miracle. Ce matin, nous allons encore prier. Vous serez témoin de ce que Dieu va faire. Vous avez suivi hier des délivrances à distance. En Belgique, les gens appelaient en direct. La gloire de Dieu était sur eux. La puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Vous avez vu cela en direct. Donc, c'est pour vous dire que la main de Dieu est dans ce programme. Ce n'est pas les jeux. Si tu as un problème sérieux, s'il te plaît, ça, c'est la plateforme. Tu connais quelqu'un qui a un problème sérieux dans sa vie, connecte-le à l'un de mes programmes.
Dieu m'a oint pour cela. La gloire de Dieu se révélera du haut des cieux. Et cette personne recevra sa délivrance immédiatement. 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 Donc, laissez-moi vous écrire rapidement l'adresse PayPal pour que tous ceux qui vont se connecter. Permettez-moi, s'il vous plaît. Voilà, Seigneur, merci parce que tu es bon. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui sont connectés en ce moment, tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui reçoivent une visitation divine, dans le nom souverain de Jésus, dans le nom souverain de Jésus-Christ, je suis en train d'écrire le compte PayPal. Voici le compte PayPal. Je suis en train de l'écrire. Compte PayPal. Oh, vous l'aurez là. Dans quelques instants là, vous l'aurez. Merci Jésus. Merci pour votre patience. Tiens ta bouteille, s'il te plaît. Tiens ta bouteille. Partage la vidéo à tes membres de famille, à tes amis qui sont en difficulté. Parce que cette action-ci, Satan est dans les problèmes. Je te dis la vérité. Satan est dans les problèmes. Prophète Ekane94@gmail. En minuscule, gmail.com. Oh, ça c'est extraordinaire. .com. Donc, et le numéro? Le numéro, c'est le 01. L'indicatif de l'Allemagne, là, c'est quoi même? C'est plus 49. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas en Allemagne, vous mettez plus 49. Plus 49, oh alléluia, Jésus-Christ est bon. Plus 49, 01, 71, 01, 71, 83, 80, 83, 80, faisons-le ensemble s'il vous plaît, 397, 397, plus 49, 01, 71, 83, 80, 397. Voilà, c'est fait. Que Dieu te bénisse. Ça va apparaître dans ton téléphone là-bas, immédiatement, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Donc écoutez, à partir de maintenant, concentre-toi dans la foi. Prends ton nom, je vais prier avec toi. De même que les chrétiens utilisaient les mouchoirs qui avaient touché Paul, cette eau est connectée à mon onction. De même qu'ils chassaient les démons, toute œuvre de sorcellerie, toute action maléfique, toute malédiction dans la maison de ton père ou de ta mère, je t'en sépare. Par cette eau, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth, tu envoies les cœurs, ça dit que tu es connecté, c'est Amen, ou bien les pouces bleus. Père, je prie. Baluki wa inna barista, bera mitalafa wa anna moraz oblis, konterami wa inna bromita infa wa adaman, Elohim, manita wa ada ugari, au nom de Jésus. Que cette eau brise les malédictions de la terre dans nos vies, que des miracles extraordinaires se produisent comme à l'époque de Paul. Seigneur, toi qui utilisais les mouchoirs qui avaient touché Paul, cette eau me touche au nom puissant de Jésus. Et je connecte toute bouteille, tout verre d'eau à cette bouteille que je tiens. Que l'onction dans ma vie entre dans ton verre d'eau, dans ta bouteille d'eau au nom de Jésus. Pour t'apporter la délivrance par rapport aux œuvres des ténèbres. Pour apporter la guérison dans ta maladie. Quelle que soit la maladie, bois de cette eau ce matin. Lave ton visage et bois une gorgée. La puissance et la gloire de la guérison te touchent. L'onction que je porte de la guérison que Dieu m'a donnée, je la libère dans cette eau, dans ton eau. La distance n'est pas une barrière. Reçois ton miracle et ta délivrance instantanée dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ouvre ta bouteille d'eau. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Seigneur, que ton nom soit glorifié, qu'il soit sanctifié. Pendant que nous buvons de cette eau et nous lavons nos visages, les malédictions sont brisées. Les gens reçoivent des manifestations de l'esprit dans leur maison. Au nom du Père, tu laves ta face. Oh, je me sépare de toute malédiction de la maison de mon père et de ma mère. Au nom du Fils. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit. Amen.
et tu bois une gorgée. Si tu es malade, tu as une maladie que tu portes en toi, curable ou incurable, tu crois que Dieu est le Dieu des miracles, qu'il peut toucher ta vie au nom de Jésus-Christ. Bois de cette eau et reçois ta guérison à ma parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Bazali wa inna maras. Bromi anokrami wa inna solita. Solem na belita morazan. Gloire de Dieu descend. Gloire de Dieu descend. Gloire de Dieu descend. Puissance de Dieu descend. Puissance de guérison descend. Toi, Satan, tes œuvres sont anéanties dans la vie du peuple de Dieu. Toute personne qui me regarde, tout esprit de blocage dans ta vie est détruit. La puissance de Dieu te touche. Dans chaque domaine de ta vie, où il y a des autels diaboliques enterrés, je déteste ces autels. Cette eau va agir maintenant. Partout où il y a opposition dans ta vie, partout où il y a puissance de Satan dans ta vie, partout où il y a des œuvres de ténèbres dans ta vie, partout où il y a les sorciers qui ont agi dans ta vie, la puissance de Dieu agit, intervient dans la partie de ton corps qui a été enterrée dans la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, dans ta carrière, dans ton mariage, ta vie sentimentale, au nom de Jésus, l'onction de Dieu te touche. Toute maladie dans ton corps, de ta tête à la plante de tes pieds, sort. Elle sort au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, touche-les. Esprit de Dieu, touche-les. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis. Au nom de Jésus, les gens vont sentir l'onction les toucher maintenant, physiquement. L'onction de Dieu va te toucher immédiatement. L'onction de Dieu va te toucher immédiatement. L'onction de Dieu va te toucher immédiatement. Ces maladies sortent. La malchance sort. Les blocages partent. Au nom de Jésus, les démons de limitation quittent ta vie. Les démons de limitation quittent ta vie. Dans tous les domaines de ta vie où tu étais limité. Par la vertu de cette eau, que les portes fermées s'ouvrent dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie, au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, brise les chaînes de la servitude à Satan dans la vie de chacun d'eux, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. La gloire de Dieu. Baruch wa inna bromi. La main de Dieu est en train d'agir. Des témoignages extraordinaires, des délivrances puissantes. Il y a des gens qui vont tomber à cause de l'onction de Dieu. Ils ne vont pas supporter être debout. La puissance de Dieu va les renverser immédiatement. Père, merci parce que tu te glorifies. Merci parce que la distance n'est pas une barrière. Merci parce que ta main touche ton peuple. Merci parce que les œuvres de Satan sont détruites. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus-Christ. La gloire à Jésus-Christ. La gloire à Jésus-Christ. Je glorifie Dieu pour ta délivrance. Je glorifie le ciel pour ta visitation. Parce que je vois quelqu'un touché. Je vois une femme libérée. Je vois un homme béni pendant que je parle. Je vois une grande délivrance dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, au nom souverain de Jésus-Christ. Et cette délivrance, je la scelle dans le sang précieux de Jésus. Toute prophétie contre ta vie est anathème. Je la renvoie à l'expéditeur. Back to the sender. Back to the sender. Dans le nom de Jésus. Toute parole, toute malédiction que quelqu'un a proclamée contre ta vie, je la retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Sois délivré et libéré des chaînes de la servitude à Satan et aux malédictions familiales. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu te bénisse. Envoie ton témoignage, s'il te plaît, dès maintenant. Envoie ton témoignage. Ne t'amuse pas, envoie ton témoignage immédiatement, s'il vous plaît. Ce matin, nous allons commencer avec les témoignages. Je veux ton témoignage, pardon. Envoie-moi ton témoignage. Dis-nous ce que Dieu a fait dans ta vie. La puissance de Dieu encore sur toi. Il y a des gens qui sont par terre pendant que je parle. C'est l'onction de Dieu, n'aie pas peur. C'est l'onction de Jésus-Christ qui t'a mis par terre pour la délivrance, pour la restauration. Tu es entré dans la clinique du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Ton jour est arrivé, ton jour c'est aujourd'hui. Le jour de ta visitation, c'est maintenant. Dieu a décidé comme ça et il en sera ainsi. Personne ne changera cela. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons suivre ton témoignage. Nous allons suivre ton témoignage rapidement. Je mets le numéro Orange Money. On va suivre, on prend ton témoignage rapidement. Pour la gloire de Jésus-Christ, s'il te plaît. Dis-moi ce qui s'est passé.
Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé. Saint-Esprit, merci. Il y a encore des gens qui sont sous l'onction. Il y a des gens qui sont encore sous l'onction, comme je suis en train de parler. La gloire de Dieu se manifeste. 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 Au nom souverain de Jésus-Christ. Père, merci. À partir de maintenant, tu peux m'appeler. Tu as un sujet de prière, mais on commence par les témoignages. Tu as un témoignage, appelle-moi en direct. Au numéro 692 40 71 86. C'est aussi le WhatsApp. Tu vas appeler par WhatsApp ou en direct. Ou le 672 13 03 23 en direct. 672 13 03 23. Pour ceux qui sont hors du pays, vous écrivez plus 237 672 13 03 23. Ou plus 237 692 40 71 86. 692 40 71 86. Voilà. Comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu peux appeler dès maintenant. Sur WhatsApp aussi, tu appelles en direct. Donne-moi ton sujet de prière. Laisse-moi prier avec toi. Comme nous le faisons, la main de Dieu est sur toi au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es vainqueur au nom de Jésus. Je prends tout au plus 10 appels. 10 appels, pas plus. 10 appels ce matin. 10 appels ce matin et c'est fini. Ah, ça fait encore ce que ça fait hier. Les gens appellent, mais ça affiche juste l'appel, mais l'appel ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe plusieurs personnes appellent en même temps? Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je pense là, c'est bon. On va prendre le premier appel. Allô? Allô? Bonjour? Allô? Allô, bonjour? Allô, je vous dis la vérité. Allô? Quiconque est connecté ce matin, un seul mot de ma part et le Seigneur transforme ta situation. Si tu as foi, appelle. Allô, bonjour? Voilà. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? On va prendre le premier appel. J'appelle de Douala. Vous appelez de Douala. Allô? C'est pour un témoignage ou c'est pour un sujet de prière? Bonjour. Bonjour. Allô, je vous salue. Allô? Oui, madame, baissez le volume de votre téléviseur. C'est pour un témoignage ou pour un sujet de prière? Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. On a passé de temps. Allô, bonjour. Allô? Oh là là, il y a tellement d'appels. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour, madame. Bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô. Oh, désolé, on va prendre quelqu'un d'autre. À l'heure où je suis en train de parler, des centaines de personnes sont en train d'appeler. Centaines de personnes. Plusieurs personnes appellent en même temps et c'est un peu compliqué. Merci Jésus. Ça c'est quoi ça? Ok. WhatsApp m'a envoyé quel message comme ça. Regardez les appels. Les appels, ça entre, mais ça ne sonne pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Sincèrement, je ne comprends pas ça. C'est WhatsApp qui passe. Non, ne me faites pas des appels directs à vidéo, s'il vous plaît. Ne me faites pas des appels vidéo. C'est appel audio. Audio. Ok, il me reste encore 3 minutes d'appel. Hein. 3 minutes avec vous. On va prendre cet appel. Allô? Plusieurs appels en même temps. Allô? 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 La connexion. Ça, c'est quoi ça? Ok. Donc, il faut dire Garoua. Je serai à Garoua du 4 au 6 mai, tous les soirs à 16h, dans notre église là-bas au quartier Plateau, en face de l'hôtel de la Canne. Gaoundéré, je serai là les 3 à partir de 16h à Ounaref, par la gloire et la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce dimanche 25, nous avons
le culte des plaintes à l'Éternel. Tout le Cameroun, hors du Cameroun, je vous invite, ne manque pas. Si tu aimes ta vie, ne manque pas à ce programme. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce téléphone. On va vérifier. Les appels entrent. Hein? Les appels ne cessent d'entrer, mais ça ne sonne pas. J'ai souscrit tout à l'heure. Je ne sais pas ce que Orange fait vraiment. C'est lamentable. C'est lamentable. Hier, j'ai souscrit hein, la plus grosse souscription qui est de 1000 francs. Ça ne s'est pas tenu. Ça n'a pas tenu une émission. Vous souscrivez, ça prend et on vous dit que le crédit est fini. Nous sommes malheureux en Afrique. Vous n'avez pas le crédit, mais on prend l'argent. Hein? Voilà les appels, on ne peut pas. Allô? 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 C'est dommage, vraiment. Que Dieu te bénisse. Donc, je disais que le culte des plaintes à l'Éternel, s'il vous plaît, ne jouez pas avec. Chaque famille se prépare avec son offrande familiale pour consacrer nos familles à l'Éternel. Il y a des gens qui jouent la consécration familiale. Mais si vous êtes en Europe, vous avez des membres de famille au Cameroun, envoyez-les à la bio. Ce dimanche 25 avril, s'il vous plaît, ne jouez pas avec. Laisse que ta famille soit consacrée. Que le nom de l'Éternel soit invoqué sur ta famille. Et vois la sécurité et la grâce que Dieu donnera à ta famille. Vous voyez. Donc, voilà. Il y a tellement d'appels, hein. Il y a des appels, plein d'appels. Mais le réseau, j'ai souscrit, et tu te retournes, tu souscris 5000 et ça ne donne pas. C'est dommage. Dommage. Une émission ne peut pas fonctionner parce que... Oh. Seigneur, merci. J'essaie encore de souscrire. Oh. Seigneur, merci. Je sais qu'il y a des gens qui veulent parler au prophète. Ça, c'est dans quelle histoire, ça? C'est un peu comme si quelqu'un combattait l'émission aussi. Je vous dis la vérité. Mon ami, tu es dans les problèmes. Tu me combats, je suis un mauvais ennemi. You will die, comme dit souvent mon petit frère. L'onction que je porte va te tuer, c'est clair. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, je vous assure, on ne joue pas avec Dieu. Seigneur, merci pour tous nos amis dans le monde entier. Merci pour ta grâce dans leur vie, au nom souverain de Jésus-Christ. Attendez. Apportez-moi le Wi-Fi, je vais prier pour les gens aujourd'hui. Satan, tu es dans le... Je voulais arrêter, je n'arrête plus. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, là, tu vas appeler, je vais prier pour toi. La bataille, je ne peux pas la laisser. Je vais prier pour toi. Je suis un général, je ne suis pas un défaitiste. I will pray for you. J'allais arrêter l'émission, je n'arrête plus. Restez, ne partez pas. I will pray, on va prier. Tu vas me donner ton problème, je vais prier. On va voir qui est plus fort que qui. Là aussi. I will pray with you people now. I will pray. On va prier. Ça c'est même quelle histoire ça. Allô? 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 Moi, si je fais comme ça. Allô? Bonjour madame. Allô? Oui. Vous appelez d'où? Bonjour prophète. J'appelle de la Belgique. Gloire à Dieu. Vous appelez de la Belgique. Il n'y a pas de problème. Je devrais arrêter l'émission. Mais comme le diable veut montrer qu'il est sorti de l'enfer avec des cornes en béton, armé, on va casser le béton là. I will pray for you this morning. Maintenant, c'est la sainte colère qui m'anime. I will pray for you. Le diable, ça veut dire qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des problèmes. Le diable sait que leur délivrance est maintenant. Le diable ne veut pas que j'appelle. I will deliver you in the name of Jesus. Maman, donnez-moi le problème. Envoyez-moi les problèmes compliqués maintenant. Expérimentez la puissance de Dieu. C'est pour un témoignage ou c'est pour un sujet de prière? Allô? Allô? Jésus! C'est pour un témoignage ou un sujet de prière, maman? J'enlève la veste même si d'abord. Non, maintenant c'est la guerre. Non, c'est la guerre. C'est la guerre. The devil is in trouble. We'll punish you now. In the name of Jesus. Restez, appelez, ne partez pas. Il y a un miracle que Dieu veut te donner. C'est pour ça que le diable se lève. Il y a quelque chose. Je vous ai dit que quand le diable se lève,
Il y a quelque chose. Madame, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. What do you want the Lord to do for you today? Oh là là, je veux prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô? Allô? Regardez les appels. Regardez les appels, comment ça fait? Allô, bonjour. Allô? Domaros. Écoutez, s'il vous plaît, appelez les numéros. Appelez les numéros aussi, appelez. Les numéros sont là avec vous. Appelez. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Father. Restez en ligne, on va prier. Restez en ligne, ne bougez pas. Ne bouge pas, c'est ta visitation. Dieu a quelque chose pour toi, je te dis la vérité. Je suis en train de souscrire, c'est Orange. C'est ça qu'on dit que ces opérateurs ne sont pas sérieux. Je suis en train de souscrire, peut-être ça c'est la cinquième souscription que je suis en train de faire. Ils n'ont pas envoyé de crédit. Il n'y a pas internet, mais mon argent ils prennent. C'est ce qu'on vous a dit hier. Vous souscrivez, vous ne jouissez pas du service, mais prenez votre argent. Ok. Thank you, Jesus. Seigneur, je sais que tu veux faire de grandes choses pour ton peuple ce matin. Et je veux prier pour eux. J'annule d'abord le rendez-vous que j'avais là. Je repousse ça. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless your name. We bless your holy name in the name of Jesus. Donc, le numéro MTN 672-13-03-23. 672-13-03-23. Orange 692-40-71-86. Essaye un peu un des numéros là, s'il te plaît. 692-40-71-86. Là, je rallume le téléphone. Hein. Laissez-moi une minute. J'essaie de rallumer le téléphone. Appel direct. L'heure aussi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Le diable, il y a des gens ici parmi vous. Le diable ne veut pas que vous m'appeliez. Parce qu'il sait que c'est la dernière journée de votre souffrance aujourd'hui. Le diable lui-même sait que si je parle dans votre vie, ces chaînes seront brisées. La Bible dit que le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Essaye un peu d'appeler. Le téléphone est disponible. Ça dit quoi quand tu appelles? Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Pourtant, mes puces sont opérationnelles. Ok. On dit quand les gens appellent, ça ne passe pas. Essaye un peu l'autre numéro, s'il te plaît. Tu vois, c'est des menteurs, je ne suis pas en ligne. Ok, allons-y, appelez, WhatsApp, on y va encore. Allons-y, j'attends ton appel. Ok? Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a quelque chose qui se passe avec le téléphone. Il y a quelque chose qui se passe avec ce téléphone. Voici les appels des gens, ça c'est les appels. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, tout projet de Satan contre ton peuple, qu'il soit anathème au nom souverain de Jésus. Qu'il soit anathème dans le nom souverain de Jésus-Christ. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. L'Eros. Voici, ça dit que mon WhatsApp ne fonctionne même plus. WhatsApp. It doesn't function. Voici ça. Ok. Là, c'est qui? Ça passe? Ok. Cher client, votre correspondant est en ligne. Ok. Merci, Jésus. We bless you, Father. We bless you. We bless you.
We bless you, Jesus. Thank you, Lord. Ah. Thank you, Father. Père, je prie pour la restauration de chacun. Dans le nom souverain de Jésus. Père, je prie. Toute main établie contre ta vie, qu'elle soit anathème au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci pour la délivrance que tu apportes à ton peuple ce matin. Toute personne qui est sous l'emprise de Satan, la délivrance. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Oui, vous appelez d'où? J'appelle depuis Abomban, à Djerglassi. Abomban, c'est pour un témoignage ou pour un sujet de prière, s'il vous plaît? Pour un sujet de prière, papa. D'accord, allez-y. Ma femme est enceinte là et apparemment c'est un peu beaucoup de difficultés. Je voudrais que vous priez pour qu'elle accouche. Sans problème. Une seule parole. N'ayez pas peur. Le Seigneur combattra pour votre épouse. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que ta main est dans la vie de son épouse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et même pour mon ministère, papa. Priez aussi pour moi, pour mon ministère. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous avez fait l'acte prophétique avec nous ce matin. Yes. Allô? Oui, papa. Est-ce que vous avez fait l'acte prophétique avec nous ce matin? Non, papa, j'ai prié pour les numéros pour le faire. D'accord, ça veut dire que regardez l'émission et faites l'acte prophétique même après. C'est la même onction, c'est la même grâce, c'est la même puissance. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci, papa. Le numéro orange, c'est le 692-40-71-86. 692-40-71-86. Ça, c'est le numéro orange. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur ta vie au nom puissant et souverain de Jésus. Nous allons voir ce qui se passe. On va voir clair dedans. Dans ce qui se passe. Ça, ce sont les appels, tous les appels manqués qu'on a eu tout à l'heure. Seigneur, merci pour ta grâce au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Toute personne, quelle que soit votre situation, que la délivrance soit votre partage, que cette journée soit une journée de bénédiction dans votre vie. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Avant de partir, rassure-toi de faire ton OM ou bien ton MTN Money. Seigneur, merci pour ta grâce. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.